Bonjour. Et hey, ça va vous? On peut arrêter de faire coucou bêtement. Bon, pardon, ouais, ouais, ça fait un quart d'heure déjà. Comment ils vont? Ça va. Ah, on s'est vu avant. Hein. Ah merde. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué. Merci. Certains l'ont reconnu, nous sommes à La Rochelle. Nous sommes à La Rochelle, pourquoi? Parce que c'est une ville que vous m'avez proposée sur Instagram hier, regardez. Dans ce petit encart qui s'affiche sur votre écran, je vais vous laisser écrire votre ville de cœur ou alors votre ville dans laquelle vous habitez. En vrai, c'est une ville qui a l'air très stylée. On la connaît pas ou peu et nous sommes lancés le défi. Tenez-vous bien. Je pense qu'on tryhard La Rochelle. On tryhard La Rochelle, c'est parfait. Ça me va. En combien de temps? En 1h60, pas une de plus. De quoi avons-nous besoin pour mener à bien ce défi et ce concept? Hormis des trottinettes, des casques et une dégaine incroyable. Une organisation infaillible. Il va le dire. Ainsi que un outil indispensable. Et vous le connaissez peut-être pas, mais à mon avis, vous devriez vous en servir. Et ça va marcher. Et ça va percer. Qui le dit? Parce que. Ah, c'est Google. Oui, c'est voilà. Voilà, c'est Google. Cette vidéo est sponsorisée par Google. G-O-O-G-L-E. Ouais, on sait jamais trop comment l'écrire. Je rigole, on sait exactement. Oui, parce que Google a des outils de ouf qui vont grave nous aider pour aujourd'hui, vraiment. Comme par exemple, un chacun. Calendar, ouais. C'est pas le pas énormément, mais on va peut-être pouvoir s'en servir. Google. Oui, ah bah oui, ouais. Pour chercher des choses. Search, hein, vraiment la fonction basique qui permet de découvrir une ville. Il y en a un qui est essentiel aujourd'hui. Oui, oui. C'est Google Maps, oui, déjà, bah pour oui, commencer. Ça me paraît tout parce à fait utile. Parce qu'on connaît pas la ville, donc pour se diriger, Google Maps. Forcément. Tout à fait. Et un autre outil que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Google Lens. Je vous fais la démonstration, mais je n'ai jamais essayé. Je lance l'application Google qui existe sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger, elle est dans la description. Je vais sur Google Lens et là je peux prendre en photo n'importe quoi, comme par exemple les chaussures de mon cadreur. Les Vans pourris. Alors les Vans de Benjamin. Oh putain, et c'est les siennes. Elles sont d'occasion, elles ont déjà 3 mois de... Et patron, je peux faire votre visage. Oui, avec plaisir. Oh c'est fou ça. Comme je suis à peu près aussi connu que des Vans pointure 40. Au moins, on va voir. Et appuie sur recherche en bas. Appuie sur. Attends, recherche de résultats. Église Saint-Sauveur de La Rochelle. Ah non, mais. Non, mais mec, regarde. Il a récupéré ça. C'est incroyable. Non, c'est beaucoup trop puissant. C'est incroyable. Mais je croyais que c'était ta narine qui ressemblait un petit peu à la coupole. Les gars, c'est scénarisé à 0%, je jure. Je le jure. Ouais. Bon, bah voilà, c'est un outil beaucoup trop puissant, vous l'aurez compris. Le concept de cette vidéo est très simple. La ville de La Rochelle a à offrir tout un tas de choses, comme par exemple l'église Saint-Sauveur. Par exemple, ouais. Par exemple. Et forcément, l'outil Google vous permet de répertorier tout ce qui fait la crème de La Rochelle, qui est peut-être chez vous, qui est peut-être votre ville de cœur. Grâce à Google, nous avons dressé une liste complète de la crème du centre-ville de La Rochelle, de La Rochelle globalement, ok? Nous devons absolument tout visiter, je veux pas le savoir, tout visiter. On est quatre, on va faire deux équipes de deux et on va tout checker et vous verrez apparaître à l'écran tout ce qu'on a checké. Et dans une heure, on pourra dire à tous nos amis, s'ils nous demandent t'es déjà allé à La Rochelle, on pourra leur dire oh ouais. Moi je connais. Ah ouais, j'y suis passé une cinquantaine de minutes. J'ai visité une vingtaine de centres d'intérêt. Ah, oui. Parfaitement. Mesdames et messieurs, c'est parti pour 60 minutes pour travailler d'une ville intitulée La Rochelle. Au revoir patron. Voici les équipes. Pour couvrir plus de terrain, nous mettons en équipe de deux. Je suis avec Étienne, tu es avec Yvan et toi tu es avec Thomas. Et toi tu es avec Yvan et toi tu es avec Étienne. Moi je suis avec Étienne, Étienne est avec Yvan. Non, vous ne prenez pas, nous ne sommes pas adversaires. Oui, exactement. On est comme une famille. Oui, c'est vrai. Donc nous partageons les lieux d'intérêt. Vous avez moitié les lieux d'intérêt, nous la moitié. Dans 30 minutes, rendez-vous au mini-golf. Vous nous raconterez vos vacances de 30 minutes et nous, on vous racontera nos vacances de 30 minutes. Votre séjour de 30 minutes, ouais. Et on se fera un petit mini-golf avant de repartir, bien sûr, pour 30 minutes. Ça, c'est une bonne idée, ça. Et la petite contrainte, c'est qu'on a tous la dalle. Et que vous vous occupez de la bouffe. Ok. On se répartit en équipe. Allez. Petit plan de bataille, let's go. Ok, donc nous, ça nous fait combien là? Ça nous fait une petite dizaine, non? Sachant qu'on cheat parce qu'on est déjà à la Tour Saint-Nicolas. Oui, on a déjà la Tour Saint-Nicolas de cheater, ça c'est déjà plaisir. Alors, nos lieux d'intérêt. Quels sont-ils, Thomas? Le musée des modèles réduits. Yvan et moi, on aime bien. Ça, j'en suis friand. La Tour de la Lanterne, je crois, c'est pas loin d'ici. Si, okay. Parce que là, c'est pas la tour qui est derrière nous, c'est une autre. Ok. On doit aller à la Tour de la Chaîne, mais je crois que c'est genre, faut faire tout le tour du port alors que c'est à 2 mètres. Ah oui, c'est là, sauf qu'ils vont. Ça se trouve, on peut le Google Lens de là, mais c'est pas vraiment. Non, non, c'est pas. Peut-être pas exagéré non plus. Est-ce que tu aimes les poissons? J'adore les poissons, en effet. Bah, je te propose l'aquarium de La Rochelle. On est obligé d'y aller, j'ai envie de te dire. C'est un immanquable. Le parc Charouillé. Un immanquable aussi. On sait pas, mais. La fontaine du pilori. Alors, le nom est pas très avenant comme ça, mais. Quand on voit ce que c'est un pilori, bon. Mais je suis sûr qu'on sera surpris. Nous avons à checker la Tour de la Chaîne, la cathédrale Saint-Louis, la Guignette. Je sais pas comment c'est écrit. En tout cas, c'est un bar qui a l'air emblématique. On va y aller. Le phare du bout du monde. Il va falloir se
démerder, c'est dans l'eau. Le canal de Maran et le jardin des plantes. Alors ça, j'aime bien ça, le jardin des plantes. Je savais que ça te plaît. J'aime beaucoup. Et ensuite, on fera une petite séance au cinéma. Petite séance au cinéma. Voilà, donc on ira voir une minute d'un film qu'on choisira. D'accord. La porte royale de La Rochelle, le globe de la francophonie, The Green Light House et la grande roue. La grande roue, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Du coup, sachant que il faut qu'on ramène de la bouffe pour dans une demi-heure au mini-golf, qui est très peu pratique, très clairement, ouais. Parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Donc on commencera par le globe de la francophonie. Ouais, exactement. Ensuite, on ira à la grande roue, The Green Light House. Ensuite, ce truc qui est la guignette. Ensuite, la porte royale de La Rochelle. Putain, on est pas mal. Hein. Bon, on lance là dans notre équipe. Donc du coup, on va au restaurant d'abord et après, on enchaîne par quoi? Qu'est-ce qu'on a de notre côté? Il y a un port, du coup, ce qui fait qu'il faut faire des tours. Donc faut pas être bête sur les... Ouais, c'est ça. Faut qu'on le fasse intelligemment quand même. Donc de notre côté, il y a le musée des modèles réduits et l'aquarium. Ouais. Donc faut qu'on enchaîne ces deux trucs-là. On se fait la partie sud, quoi, là. Ouais, on fait la partie sud, ouais. Et après, de toute façon, on devra passer de l'autre côté pour le mini-golf. Du coup, après, bah, on fera toute cette partie-là. Ok. Mesdames et messieurs, nos stratégies sont élaborées. Nous avons 60 minutes pour effectuer la ville. C'est bon? 3, 2, 1. Il y en a un juste là en le Google Lens. Allez, c'est parti. Allez, Thomas. Direction le restaurant. C'est par là, Yvan. Ah. Ouais, c'est pas très... T'es pas totalement fait pour. C'est bon, ça y est. Bon, on a quand même choisi le terroir de la région. Ah, je sais pas. J'ai juste pris le plus cher. Oh oui. C'est incroyable. Ah, les cheaters. Voilà, vraiment gros cheater. Je l'ai. Tour de la chaîne, vite, une info dessus. Si, c'est l'entrée des francopholies. C'est vrai? Ouais, vraiment, c'est pour rentrer aux francopholies, c'est juste dessous. Et après, t'as les grosses scènes qui sont juste derrière, là-bas. Francopholie, un des meilleurs festivals de France. Ouais. Et comme on est des gros débiles, c'était hier. Et nous, on est venus aujourd'hui, voilà. C'est par ici? Ah, je sais pas. Attends. Je suis complètement paumé. Alors ne vous méprenez pas, hein. L'outil Google Maps est très très optimisé. C'est juste Thomas qui sait pas lire les cartes. Ça fait combien de temps, Thomas, qu'on est parti? Déjà 2 jours. Attends. Est-ce qu'on peut passer par là? Un passage secret? Un passage secret, viens. On fait quoi? Le globe de la francophonie, du coup? Ok, itinéraire vers le globe de la francophonie. C'est bon. Itinéraire démarré. C'est mis. Ces trottinettes ne sont pas adaptées au pavé du Moyen-Âge. C'est là? C'est là? Ok, le Gaburon, c'est comment il s'appelle? Ah, le Gaburon, je crois, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des bulots, du poulpe et du vin. Du poulpe et du vin, on fait un gros apéro, quoi. Voilà. Un apéro dinatoire. Allez, tout droit. Ouais, je vois ça. Après, on aurait pu passer sur la côte, c'était plus joli. Hein. Il est où, Globe? Il est où, Globe? Le Globe, il est. Ouais, c'est ça, c'est sur la bonne route. C'est bon? Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par hasard vous faites à emporter? Aïe. Let's go! Wouhou! Normalement, on devrait bientôt l'apercevoir. Oh là là, il est archi excentré là. Oh, il est là-bas, je le vois. Ah oui, tu le vois? Je le vois. Oh là, c'est incroyablement stylé. Ça a pas marché, faut en trouver un autre. Ouais. Je vais regarder ce qu'il y a dans le coin. Ok. Il y a autour de nous, il y a un japonais, Amira okay. Café. Ok. Sarrasin, c'est dans les mieux notés. Ouais, c'est bien ça. Le sarrasin, c'est une crêperie. C'est bien, une petite crêperie. C'est sympa ça, bon, c'est sympa. Vas-y, okay, on file, c'est par là. Ok. J'ai de Google Lens, c'est ça, mon pote. Hop là. On garde les bacon. Oh la classe. Ok. Faut vous valider, sinon le Pokédex n'est pas complet. Tu crois que ça marche comme ça, genre? Bien sûr que ça marche comme ça. Mec, c'est parfait, c'est insane. Alors qu'est-ce que c'est? On a une plaque, un peu quelque chose? Parce que qu'on apprenne un peu des choses quand même. À travers la chanson française, c'est notre culture, notre poésie, notre langue qui font le tour du monde. Michel Greffo. T'as une petite crêpe, ils vont être contents, les copains. Qu'est-ce que tu veux snacker aujourd'hui? C'est marrant, tu prends un ton comme si on avait du temps. Et ben moi, je vais me permettre de prendre une végétarienne. Et une champi? Ouais, le sarrasin, n'hésitez pas. Une bien bonne adresse. Bon, je sais pas, on a pas encore goûté. On sait pas, ouais. Alors, prochain itinéraire. Ça fait. Attends, il nous reste 25 minutes. La grande roue, c'est parti. C'est bon, c'est lancé. On est parti? Direction la grande roue, let's go. La mission crêpe est faite. On y retourne dans quoi, 20-25 minutes? Pour les récupérer chaudes. Et on a même pris une petite bouteille de cidre. Exactement, voilà. Mais du coup, il nous faut des bolets. Ah oui, t'as un magasin de bolets. Est-ce qu'on trace pas, dans le doute, au musée, là maintenant? Ouais. J'ai vachement bien le bruit de la trottinette. Ah, tu penses que c'est la tour de la lanterne qui est là? Attends, mais mec, c'est sûr, là, on peut en choper plusieurs. Tu crois? Oui. Musée des modèles réduits. Ok, c'est parti. On the road again. Je te suis, Yvan. Ok, c'est pas moi qui ai le GPS. Pour toi, c'est quoi ça? Mais ça, c'est une... Je vais voir, en fait. C'est la tour de la lanterne. Ciao, c'est coché. Hop là. Donc ça, on devait le faire? Ça, on devait le faire. Ah, c'est une tour du 15e siècle. Et ça fait partie des 3 tours qui marquent l'entrée du port de La Rochelle. Oui, je peux te dire ça. Je peux te dire que ça a été commencé en construction en 1209. Et que franchement... Bah, c'est bien conservé. Tu passes par le pont. On the bridge. Tu te débrouilles comme un chef, Thomas. Merci, toi aussi.
What a rider! Pourquoi j'adore ces vidéos des sortes de Pékin Express miniatures? C'est vrai que c'est simple! C'est incroyable! Franchement, juste on vient d'inventer un jeu, visiter une ville en 60 minutes, prenez tous les lieux d'intérêt de Google et vous devez tous les checker en 60 minutes. Et franchement, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare cette vidéo, on se demande si c'est possible et je suis en train de me dire que oui, un peu. C'est là! C'est rigolo hein, parce qu'on va faire une visite express du musée des modèles réduits. Voilà. Bonjour. On va vous prendre 3 entrées s'il vous plaît. Et on va vous demander une facture aussi s'il vous plaît. C'est dommage, on aurait voulu une toute petite facture. Là c'est pas cohérent avec votre musée. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Par contre c'est relou, je sais pas où est la grande roue quoi. Mais c'est que c'est... Parce que c'est pas voyant comme truc quoi. Tu ouvres les yeux quoi. Tu retires. Voilà. Allez. Ah merde. Pendant ce temps-là, dans l'autre équipe, hein. Enfin rentré dans le musée, bon bah je te propose de faire la visite en quoi, 2 minutes? Je vais pas te mentir, je suis deg de devoir me dépêcher. Bah oui, c'est fort sympathique. Oh mais c'est incroyable! Non! Je vais visiter longtemps ce truc là! Par ici! Super marionnette! Oh putain, elle est là! Elle est là, elle est juste là, on arrive, let's go! Alors c'est ça la grande roue? C'est ça la grande roue! Déjà je la Google Lens comme ça c'est fait. Hop là! Voilà, ça c'est Google Lens. C'est nickel! C'est un sous-marin de 42, Yvan! Waouh! Elle est quand même sympa ce musée. Oh ouais, c'est super sympa! Putain, il y a le flash quand même! Photo souvenir effectué, c'est bon, on peut repartir. Ok, on va réserver un ticket pour la grande roue. C'est une éternité. 6-7 minutes. Un dixième de notre temps. Bonjour. Pour 2 personnes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est l'activité touristique par défaut. Bah ouais, et au moins, tu checkes la ville bien comme il faut. Quoi. Ah, mais ça se trouve, techniquement, on pourrait finir notre défi juste avec ce tour de grande roue. C'est-à-dire que nous, là, on Google Lens tout, c'est fini. Franchement, si on arrive à au moins checker un bâtiment depuis la grande roue, c'est stylé. Je suis d'accord. Bah, c'était super sympa. Wow. Merci, madame, c'était trop bien. Merci. C'est bon. Une chose de fait. 36 euros qu'on leur a filé quand même. C'est le musée du sport, c'est pas le musée du modélisme. Je suis éclaté. En vrai, après, faut tracer au mini-golf, mais un truc de malade. On le fait direct après, quoi. Là, en gros, on est en train de s'apercevoir qu'on est en train d'exploser notre temps à cause de cette file d'attente. Donc après, on n'a pas le temps de faire autre chose. Non, faut tracer au mini-golf. Ouais, bon, bah, c'était super sympa, ce petit musée-là. C'est quoi que t'as préféré, toi? L'espace des sous-marins, j'ai parfaitement apprécié. Les sous-marins étaient bien, ouais. Il y en a un, on l'a vu comme ça. Il était trop bien, celui-là. Il est encore un peu flou dans ma tête. Le vert flou, ouais. Il était trop bien. Maintenant, on va où? On va à l'aquarium, en vélo, parce qu'il y a la fonction vélo sur Google Maps. Bah oui, en vélo. C'est parti. Vive l'aventure. Bonjour. Ah. Mince, oh, ça c'est dur. Ah, ça, c'était dur. Ça marche, pas de soucis. Et on a une question. On est en train de faire un challenge, on doit visiter La Rochelle en 1 heure. Ok. Est-ce que vous arrivez à nous faire faire juste un tour et nous faire sortir ou c'est impossible? C'est possible. Ok, ça marche. C'est incroyable, c'est possible. On se trouve à l'aquarium. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il fallait réserver à l'avance un billet. Là, on est en train de voir si on peut pas potentiellement s'infiltrer dans la boutique souvenir parce qu'on aura au moins fait ça. Oh là là, c'est incroyable. Bon là, pour l'instant, La Rochelle, vous marquez des points. Réactivité au top. Putain, je reviens pas quand on va faire un tour et c'est tout. Ça sera en haut là-bas. Super, merci. Tu nous oublies pas? Non, j'irai. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. Pendant cet unique tour, il faut qu'on soit détendu, qu'on se détende et en même temps qu'on Google Lens la moitié de la ville. Ouais. Oh là, c'est ça, fout une pression. Moi, il y a un truc que je vais faire immédiatement, c'est noter 5 étoiles la grande route de La Rochelle. C'est vrai. Alors Thomas? Bah j'hésite à acheter un souvenir, la grosse pieuvre là. Waouh. Mais c'est impossible à transporter Thomas ça. T'as bien conscience qu'on est en trottinette. Ou sinon lui. Putain. Celui-là c'est plus probable déjà. Vas-y, je l'accroche à mon dos. Ouais, on peut l'accrocher autour du cou. Ça part mec, y'a qu'un tour, profites-en. Vite, faut que je note. 5 euros, expérience incroyable. Réactivité au top. Vite un monument n'importe lequel. Je les ai pas en tête tous nos trucs. Attends, le petit phare là. Ouais, je suis en train. J'essaye aussi de mon côté. C'est qui en premier? Non. Chope-le. The Green Lighthouse. C'est incroyable. Juste ça. Explique tout ce que c'est déjà. C'est le phare du quai Valin. Ok. Ça s'appelle aussi du coup The Green Lighthouse. Ok. Et c'est un phare qui est en pleine ville, c'est pas trop stylé. On est en train de redescendre, c'est triste. Là, dès qu'elle ouvre, on trace aux trottinettes direction mini-golf. Il n'y a plus le temps de niaiser. Ça part. C'est bon, je l'ai. Parce qu'il fallait acheter un souvenir pour sa famille, donc pour mon frère, j'ai décidé d'acheter ça. Est-ce que tu veux faire un petit coup de Google Lens? Ah, pour voir s'il reconnaît la race.
Waouh. Pieuvre géante du Pacifique. Pieuvre géante du Pacifique, incroyable. Super. Bah parfait, comme ça on a un beau souvenir du musée qu'on n'a pas fait. Elle nous a oublié, je te dis. Ah non, elle nous a pas oublié. Elle est incroyable. Prépare ta sortie, on est en mode starting block. Vas-y. C'est bon. Oh non. Merde. Je sais pas si on l'a dans la cam, mais elle avait un visage. Elle avait un visage du désespoir. Oui. Genre, mais pourquoi t'as pas arrêté la grande roue? J'enlève mes 5 étoiles directement. Ça passe à 2 étoiles. Non, ils sont sympas, ils ont tout donné. Ah non, mince. J'ai mon souvenir pour mon frère. Ça tient? Bah ouais. C'est bon. Vas-y, frère. Qu'est-ce qu'on fait? On va au resto là? On va récupérer les crêpes, ouais. On est reparti? Par la droite. La cathédrale Saint-Louis, on pourrait pas la choper d'ici? C'est celle là-bas là? Ah bah ouais, c'est sûr. Je la tente. Je tente le beau jeu. Elle est tellement loin. Comme je l'ai bien. Ouais, ça a marché. La cathédrale Saint-Louis, c'est ça? Tu te fous ma gueule. C'est la cathédrale Saint-Louis ou pas? Attends, je regarde. Oui, c'est ça. Oh là! Oh là, regarde! C'est bon, regarde, c'est bon, le deuxième tour qui sauve. On l'a rentabilisé? Ouais, chaque tour, on a googlé un truc. Ah, c'est vrai. Incroyable. C'est pas grave, t'inquiète. Allez, merci. Salut, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes au top. Vous êtes super et très beau et vous sentez bon et vous êtes aimable. Et je vous recommande à toute personne se situant à La Rochelle. Démarre. Faut qu'on aille au mini-golf et en vrai, on peut le faire. Je m'arrête 2 secondes. J'ai l'impression que les gens te regardent, Thomas. On a trouvé le grand frère. Bonjour. Oh, ah bah voilà. Il est mignon aussi en petit. Il est sûrement moins cher aussi. Allez, on s'arrête pas. Ok, on est parti, on a repris la route, on quitte la grande roue direction le mini-golf dans cette vidéo. Regarde, on l'a vu de là-haut. Mais oui, magnifique ce phare en plein milieu de la le rue. Le phare du Quai Valin, autrement appelé The Green Light House. Trop stylé. On est retourné au restaurant, on va récupérer la commande. Hop, merci beaucoup. Allez. Hop. Bon bah j'espère qu'ils seront encore en une partie. Hein. Du coup, mini-golf du Mail. On rentre ici quoi? 2-3 minutes? 700 mètres. 700 mètres quoi? Non vraiment? 5 minutes en vélo. Bon bah c'est parti. On va le faire, Thomas. Dans 2 minutes, on mange des crêpes. Ah, j'ai pas faim du tout. Moi non plus. C'est parti. C'est par là. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai un gros doute. La vérité, ça va être maintenant. Mais mec, c'est trop beau ici. Par contre, c'est incroyable. Là, c'est quoi cette espèce de champ de Mars de La Rochelle là? C'est trop stylé en fait. Ouais, c'est ouf. Il y a pas Thomas, il y a pas Yvan. Ça me fait flipper. Je crois qu'on en avance, Max. Parce qu'on en avance ou qu'on est au mauvais? Ah non, oui, j'ai pas pensé à cette option là. On réserve un trou comme bon, ça. Quand ils arrivent, on a déjà le trou. C'est bon, j'ai repéré l'entrée du mini golf. On y est prêt. Il est incroyable ton père. J'adore, hein. Genre dans la rue, mais tout le monde fait « Mais c'est quoi ça? Waouh, le style !» C'est vrai qu'il était assez visible quoi dans la rue. On vous a ramené des petites crêpes. Alors, on a une champignon jambon et une petite végétarienne. Vous avez pris ça chez qui? Chez Sarah. Chez Sarah. Sarah-Zin. Non. C'est très belle boutique. C'est très belle boutique. C'est. Et très bien noté sur Google. Après, on s'est fait refuser 17 restos avant. À cause de ça. Soit disant que ça rentrait pas dans un 4 étoiles. Mais par contre, on a pensé au cidre. Oh non. Je publie un avis. Hein. Ah bah oui. Sarah a réussi à nous mettre à l'aise. Attention cependant à ne pas transporter vos crêpes en trottinette avec un poulpe sur le dos. Si le goût restera intact, Étienne sera un peu râleur avec toute la cordialité qui s'impose. Publié. Mesdames et messieurs, on est au mini-golf, une des attractions les plus importantes de La Rochelle. Si vous venez dans la ville, c'est évident qu'il vous faut faire le mini-golf. Je sais pas en fait, je suis pas sûr. N'empêche que pendant le confinement, on pouvait pas faire ça, alors que là, je me sens libre quoi. C'est vrai. Un poulpe accroché à tes épaules, un trou numéro 12, que demande le peuple? Ça fait 6 mois que j'ai pas ressenti cette sensation d'avoir un poulpe dans le dos. Les gars, là, faut y aller, on a un coup chacun. Ok. Y a pas le temps de niaiser. C'est moi qui commence. Oui, vas-y, allez, vas-y. C'est perdu. Putain, je suis dégoûté, j'ai envie de crever. T'as qu'à Google Lens, c'est ton sable. Allez, comment s'est passé vous, du coup, la première partie, là, vous avez fait quoi? Eh ben, ça s'est super bien passé. Dépêche-toi. On a commencé par trouver un petit restaurant. Albatar. Il l'a fait. Albatar. Ah, dommage, il manquait rien. Ah, Thomas. Oh, Yvan, on est nul à chier. Waouh. Il va la faire. Mais c'est incroyable. On est allé au musée du miniature. Alors c'était super sympa. On est passé 2 minutes, on a couru. Nous on a fait un gros tour de grande roue. On a demandé à la dame si on pouvait faire qu'un seul tour parce qu'on n'avait pas vraiment le temps. Okay. Elle a dit oui. Et puis arrivé à la fin du tour, elle a oublié. Elle s'est pas arrêtée. Du coup vous avez fait 2 tours?
On a pu Google lancer deux bâtiments au premier, tour fort, et encore fort, un autre au deuxième tour. Fort. Sauf qu'en fait, ces deux bâtiments étaient sur le trajet du mini-golf, on aurait pu les Google lancer facilement. Okay. Je me permets, deux coups. Deux coups, ouais. C'est humiliant. Fin de l'attraction mini-golf, on file. Allez, là, en fait, faut qu'on aille au bar, à la Porte Royale. Le bar, c'est la Guignette ? Oui, la Guignette. D'accord. C'est aussi ça, La Rochelle. Et ensuite, il faut qu'on aille au truc le plus relou au monde, parce que c'est dans l'eau, très loin. C'est le phare du bout du monde. Il porte bien son nom. Donc, la prod nous a loué quelque chose qui flotte. Je ne sais pas encore quoi, mais on imagine bien. Et c'est vraiment, il y a la location de bateau. C'est à 300 mètres et on revient. Fin. Ouais, c'est vraiment genre une séquence un peu frustrante. C'est comme le trou numéro 2, 12, ouais, mais voilà, version mer. Ah, putain, trop drôle. Ok, les gars ? Ouais. On se rejoint au phare au bout du monde. Ok. Ok. Ah, moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes. Ok, ok, on se dépêche, okay. On se dépêche. Ok. La moitié du séjour, on est à mi-séjour là. On est à mi-séjour. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, on a à faire le cinéma, ouais, le, c'est bien pour le canal, ouais, super, la fontaine, ouais, le jardin des plantes et le parc cheveux-charrurier. Par quoi commence-t-on, le parc ? Le parc. Ok. Tu mets ton portable avec le GPS aussi pour le bar ? Oh putain, il a raison. Tu mets la Guignette là ? Bah, Guignette hein. Allez, on n'a pas le temps de pinailler là. Oui, t'as raison, Yvan. Le parc est juste là. On va pouvoir en profiter pour faire une photo. Ok, très rapidement, des petites promos de commerçants de La Rochelle. Etienne, oui. Tu cites des commerçants sur la partie gauche, cites des commerçants sur la partie droite. Les filles à papa. Pitaya à gauche, on connaît. Pitaya, on adore. Arnaud coiffeur, super, vive à la vie. Le restaurant Koi, sushi bar et taille. Le clan des mamas, ça c'est vraiment bien, je rigole même pas. Le clan des mamas, ça c'est un restaurant italien, je connais, c'est incroyable. On se prend en photo devant le petit parterre floral. Allez. Tiens, plan. Ouais. Elle est super belle. Et c'est reparti pour... Vers où on va, Yvan ? Et ben moi, je te propose le canal de Marans-la-Chaux-Rochelle. C'est là-bas ? Non, c'est à l'opposé. Merde. Et nous, nous avons pour 4 minutes de distance, soit 1 km. C'est parti, Thomas. Non, c'est pas trop dans la... On a perdu à l'euro, Thomas. Ah merde. Ok, la guignette, on y arrive. Ça, c'est la rue des Bars, ça, mon pote. C'est ça, la rue des Bars ? Ah bah, j'ai l'impression, hein. Regarde-moi ça. Voilà, la cape de la guignette. Ah, c'est ça, la guignette ? Ah ouais, c'est incroyable. C'est très, très beau. Je comprends pourquoi c'est dans le top. Ouais, je comprends pourquoi c'est dans le top 1000. C'est juste là. On vient d'arriver au canal. C'est super reposant comme ambiance. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Est-ce qu'on prendrait pas une petite photo de vacances ? Je refuserai jamais ça, Yvan. Ah. Le Google Lens là ? Ouais, y'a que ta grosse tête, ça va pas marcher. Tu crois qu'on l'a ? La guignette, putain, mec, c'est incroyable. Insane. Qu'est-ce qui sert dans leur petite échoppe, on va leur demander ? Allons voir ça. Où est-ce qu'on va, Thomas ? À Cancun ! Ah non, non. La place du pylori, non ? Oui, la fontaine du pylori. Fontaine bien du pylori. Même fontaine. C'est parti, 3 minutes. Bonjour, bonjour. On a vu votre établissement sur Google et ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici, globalement ? La boisson à la maison. Ah, c'est vrai ? Bah, c'est parfait. Non, mais c'est vrai. C'est la boisson locale par. Voilà, boisson à base de vin et d'infusion de fruits légèrement gazéifiée. Génial. Ah, donc c'est vraiment une tradition locale, voilà, quoi. Ouais, ouais. Mais là, c'est magnifique ici. Ça fait longtemps que vous vendez ça ? C'est un vieux bistrot qui existe depuis 1933. Magnifique. C'est incroyable. C'est censé être ici, Thomas ? Bah, y'a pas trop de fontaines là. La fontaine du pylori, mec. Tu sais où c'est ? Oh frère, la fontaine du pylori, c'est juste là. Merci infiniment. Oh, ah mais c'est costaud si c'est des petits verres comme ça. Non, ça peut rigoler. 9 degrés. C'est parfait ça, merci beaucoup. Eh, guignette, hein. Guignette. Ah, bonne guignette. Oh mec. C'est à la fois très léger et très fort. Oh mec, bah, c'est incroyable. Ah, c'était là. Ouais, je crois bien, c'est pas du tout une fontaine. Bah c'était, regarde, ça sortait par la bouche de lui. Attends, bouge pas, je vais Google NC. Hop, ça part en Google Lens. C'est bon. Fontaine du pylori. Fontaine du pylori. Alors c'est quoi ? Bah c'était une fontaine quoi. C'est hyper bon. Et puis tu sens que c'est la bonne franquette ou il y a un truc. C'est folklore. C'est la Rochelle en un verre. Ouais, c'est frais, c'est ensoleillé, c'est pétillant, on adore. On est bien guignetté là. La guignette, c'est validé. Allez, suivant. J'ai bien l'impression que notre prochain arrêt, c'est le jardin des plantes. Oh oui, c'est vrai, il y avait ça. Il me faut un souvenir pour mon papa. Et peut-être que le jardin des plantes, il y a des petites plantes. Ça serait très pratique dans notre setup actuel. Oui. Ah bah c'est des bonnes vacances en tout cas. Oh bah alors ça, j'aurais quand même bien ramené de la guignette moi. Ah, une petite bouteille dans le sac, c'était pas trop. Ça nous fait des souvenirs en même temps. Franchement oui.
Ah mais on a notre souvenir. C'est notre souvenir. Sauf que moi faut que je ramène un souvenir à ma fille, mais toi à ta mère, c'est bien. Moi à ma mère c'est parfait. Ah, va acheter de la guignette. Ok, ça marche. Moi je vais acheter un truc pour ma fille. Okay. Faut qu'on ramène un souvenir. Eh ben c'est super sympa, wow. Thomas. Il hein y a un jardin, il y a des plantes, là la promesse est totalement... Elle est tenue, parfaitement, parfaitement. Et là, il n'y a pas de déçu. Hein. Je vais vous prendre une bouteille en fait complète que je vais ramener, une grosse. Je voulais acheter quelque chose pour ma fille. Et honnêtement, je pense qu'un appartement de pièces de 44 mètres carrés fera amplement l'affaire. Voyons voir s'il est toujours disponible. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Ok, c'était complètement hors budget, je vais prendre autre chose. Est-ce que peut-être tu peux googler une scène nénuphar? Ça me paraît une priorité. Alors, ce petit nénuphar, il dit quoi? C'est un Nénifae Charles de Merville. Moi, personnellement, je le savais. D'accord. Mais pour toi... C'est vrai que t'es un fin limier de la botanique. Souris. C'est encore une bien belle photo. Je pense qu'elle est seulement cadrée, celle-là. Oh, une librairie, c'est bien, la librairie Créfine, qui est vachement bien, je pense. Bonjour. Je fais un livre pour enfants. Il y a ceux-là avec des petites histoires aussi. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. Et bon courage. Yes. J'ai pris, parce que ma fille, elle adore les trucs animés comme ça, là. Délire, non? Vous trouvez pas que c'est délire? Ça, c'est le maximum du délire quand t'as 2 ans. Direction Porto Royal de la Rochelle. C'est parti. Bon, Thomas, il nous reste quoi? Un souvenir pour toi. Un souvenir pour mon papa. Et aller voir un petit film. Et aller voir un petit film. Petit film. Très court, très court. Mais on donnera un avis quand même. Surtout sur le cinéma, le film, surtout. Ah ouais, avec Étienne, ça trace là. Ah ouais, ok. Ouais, c'est une autre vitesse moyenne avec toi. Let's go. Prends le virage intérieur. Toi, t'aimes plutôt quoi comme genre de film? Alors, j'aime plein de trucs, comme par exemple le sci-fi. Et toi, t'es plutôt friand de quoi? Ah, moi, j'aime les comédies françaises, les comédies américaines. Ok. La science-fiction, le fantastique, l'horreur. Ok. Voilà, on est en train de tracer, mais laisse tomber, on serait à pied. On mettrait 1000 ans. Franchement, trottinette pour faire une ville, meilleur bail. C'est vrai, c'est bien. C'est incroyable. Les péplums. Ouais. Les westerns. Ouais. Les films d'époque. Ouais. Les films de tennis de table. Ça laisse du choix, quoi. Ouais. C'est très joli ici, qu'est-ce que c'est? Bah on y arrive, regarde. Ah c'est ça? Bah ça en fait un peu partie. Ah c'est très sympathique. C'est très joli. Je viens de repérer un petit magasin de souvenirs. Et bah je peux vous dire que mon papa il va être super content. Ah ouais, c'est là, incroyable, c'est trop stylé. Ah, ah je mettrai ma main à couper que celui-là il l'a pas. Il l'a. Aïe aïe, il est impossible à duper en fait. Attends, si je me mets devant? Vas-y. Tu penses qu'il va mettre Étienne devant la porte royale de La Rochelle? Je sais pas. Oh putain. Ils ont trouvé une autre famille que toi qui s'est prise en photo devant. Mais c'est ma famille. Les souvenirs, c'est fait. Alors, bon, on a quoi? On a des petites cartes. La Rochelle, ça fait plaisir. Et puis une petite bouteille de Pinot des Charentes. Parce que ça, on n'y pense jamais assez, mais c'est le terroir de notre région quand même. Ce séjour est éreintant. Non, mais j'en peux plus. D'habitude, on se repose quand on est en vacances. C'est pas du tout le cas, là. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. On va au cinéma? Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette porte royale de La Rochelle? Dis-moi, Maxime, là. C'était l'ouverture nord-est des fortifications de François Ferry. Elle ouvrait la route vers Niort et Limoges. Construite entre 1706 et 1723, la porte d'un style toscan est basée sur un projet de l'architecte Pierre Bullet. Est-ce qu'on perd du temps là? Ouais. Ouais. Allez, bateau. Mais d'ailleurs, oui, il nous reste plus que ça, Maxime. Ouais, mais bon, on y reste plus que ça. Faut qu'on loue un bateau, qu'on prenne un bateau qu'on a dans l'Atlantique. Ok. On a enfin au bout du monde et qu'on reprenne les gars. Ah, c'est ici. C'est bon, on vient d'arriver au cinéma. Puis qu'est-ce qu'il y a à l'affiche, Thomas? On peut Google Lens Titan. Titan. C'est Google Lens, je l'ai. Tu vas aller où? Sur IMDb? Je voudrais bien voir un petit trailer. Hop là, il est ici même. Bah, tu m'as convaincu. Allez, on va voir. Allez. Ça. C'est incroyable. Ok, on va passer sur le petit pont. Il y a énormément de vent, je sais pas si vous m'entendez. On s'approche du but. Il reste plus que 4 minutes. Wouhou! Oh, beaucoup moins impressionnant de mon côté. Oh, il le fait, il le fait! Mais ferme-la! Mais ferme-la! Mais ferme-la! Incroyable! J'ai adoré ce moment! Oh là là, La Rochelle! Eh, La Rochelle! Eh, c'est sympa, ah, c'est bon. Oh. Ça va? Sûr? On a entendu le bruit caractéristique d'un cadreur qui tombe. Oh merde, ça va gros? Oh. C'est la petite roulette qui s'est pliée quand je roulais. Oh non, elle s'est pliée! Finalement, on n'est pas allé voir Titan, il n'y avait plus de place. Non. Allez voir un film qui s'appelle Bergman Island. Oui. Ben, moi j'ai trouvé cette minute vachement profonde.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, il n'y a pas eu de dialogue, hein, finalement. Du coup, ça rend le truc très introspectif. Ouais, tout à fait. Très introspectif. Non, c'est le film de l'année, je pense. C'est le film, la minute du film, la minute de l'année qu'on vous a proposé. C'est bon, on a failli perdre un quart d'heure, mais il va bien, finalement. Étienne, il y a un kata à gauche. On peut se permettre une petite pause. Let's go. J'adore faire ça, putain, j'adore faire ça, je vais faire ça toute ma life. Wow. Je suis pas rassuré non plus, hein. Et bah c'était super sympa. Maintenant on peut dire qu'on a officiellement fait le tour de La Rochelle. C'est vrai, putain. Et puis maintenant on peut faut retrouver les gars, quoi. Oh putain, ils vont, qui me rappelle. Comment ils vont? Comment ça va? C'est quoi, les gars? On sort du ciné. Vous allez au ciné? Ah, vous sortez du ciné? On sort du ciné, c'est super sympa. Les gars, ça fait 4 minutes. Pour aller au truc de bateau. Vous m'avez bien entendu? 4 minutes, ok. Ok, 1,4 km, c'est vraiment à l'opposé, faut qu'on fasse tout le tour du corps. Okay. On va retrouver les gars, on a 7 minutes de trottinette, on speed, et c'est parti. Yvan, j'ai du mal à reprendre mes esprits parce que j'étais un peu bouleversé par le film. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a vraiment changé la perception que j'ai de la cité moderne telle qu'on la connaît. Ah, moi, je remets beaucoup de choses de ma vie en question. Je suis pas sûr de cette idée-là. J'en suis pas sûr, j'en suis pas persuadé. Ok. Oh putain de merde. Ok. C'est là, c'est ici, c'est celui-là, c'est celui-là. Je le reconnais. On met les trottinettes sur le truc là. Ouais. Oh, suivant. J'ai jamais fait ça, mais c'est un peu stylé. Mesdames et messieurs, on a changé de trottinette. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Sympa, sympa. Il y a un plus gros moteur, j'ai l'impression. Bon, pendant qu'on est pas à fond, les gars, comment ça s'est passé, vous, tout à l'heure, là? C'est vrai, ça? Cette dernière demi-heure. Ça s'est super bien passé. On a quand même vu beaucoup, beaucoup de La Rochelle. Ouais. On est passé au Jardin des Plantes, à la fontaine du pilori. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le canal en travaux. Le canal en travaux, c'était super bien. Salut. Il y en a des plans ridicules, et mais puis celui-là. On a fini en beauté avec une petite séance de ciné. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Alors, c'était quoi qu'on allait voir, Thomas? Bergman Island, un film suédois. C'était super sympa. Ça nous a un peu miné parce que c'était un peu triste. Ouais, on a vu une scène d'une minute 30 où une meuf montait des escaliers. C'est vrai. C'est drôle. Ah, bah, nous, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai, ça, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Bah, nous, on a foncé au bar de la Guignette. Oh, la Guignette! Voilà. Les gars, faut que vous goûtiez la Guignette! C'est là que Max m'a tendu la perche. J'en ai acheté une petite bouteille, ouais, pour mes darons. On peut juste repasser et acheter une guignette après? Ah ouais, si vous voulez acheter de la guignette, c'est ouais, cool. Ouais, moi j'en veux pour moi. Ouais, là, il y a bonne guignette. Ah, alors, je vous montre là. De toute façon, tu peux me la donner, je connais tes parents, ils ont plus soif. Mesdames et messieurs, on se dirige vers le phare du bout du monde. C'est bon, j'ai trouvé ma guignette. Super. Regardez-moi cette belle bouteille de guignette. Moi aussi, j'ai acheté un truc à boire. Pour mon papa, j'ai pris une petite bouteille de Pinot. Ça a l'air très joli, le phare du bout du monde. Il est en travaux, hein? Ah ouais, mais non! On s'est fait douiller! C'est vrai! On s'est fait douiller! Attends, Google Lens-le et vois si les travaux font que ça marche plus! Alors, Catherine Laborde, qu'est-ce que tu dis de ça, Google Lens? Hop là! Victorian Lighthouse, le phare du bout du monde! La Rochelle, Charente-Maritime, mon pote! Eh ouais! J'avais ouais. Plus cette précision! Il est temps de le remettre à la mer! Okay. Non, par contre, vraiment, c'est énigmatique, c'est mon monument préféré, pour de vrai! Ah ouais? Ouais, je le trouve trop stylé. J'ai envie de faire une vidéo 24 heures sur ça, je vous en supplie. C'est vrai. En pleine tempête, je vous en supplie. Eh, hey, La Rochelle, la commune là. S'il vous plaît, est-ce que je peux aller 24 heures dans ce truc là en pleine tempête? Ce serait vraiment chouette. Merci La Rochelle. Par pitié, La Rochelle, les pinons. Mesdames et messieurs, vous le savez, cette chaîne est faite de promesses. Nous vous avions fait une promesse en début de vidéo. Nous vous avions dit que nous visiterions La Rochelle en 60 minutes. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire qu'on l'a effectué en 7h18. Le vrai temps s'affiche sur votre écran. C'est décevant, je le sais bien. Mais en vrai, c'est quand même un temps record. Normalement, encore une fois, faut plusieurs jours. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner. Tous les services Google présentés dans cette vidéo sont dans la description. Et ils sont gratuits en plus de ça. Il a bien raison. Et, au revoir. Tchuss.